Nous invitons l'enfant à laisser de la place entre chaque chiffre afin de pouvoir placer les quantités sous chacun d'entre eux. Nous commençons l'association quantités pour montrer à l'enfant comment disposer les jetons. Lorsque cela est possible, nous les plaçons deux par deux. Si un jeton ne peut être mis en paire, nous le plaçons au milieu. Nous invitons l'enfant à poursuivre. Lorsque l'association est terminée, nous pouvons faire remarquer à l'enfant que pour certains nombres, nous pouvons glisser le doigt entre les jetons. Pour d'autres, non, car nous sommes empêchés par un jeton resté seul. Nous lui expliquons que les nombres où nous pouvons passer le doigt sont des nombres pairs, car tous les jetons ont pu être mis en paire. Et nous expliquons où nous ne pouvons pas passer le doigt parce qu'un jeton est resté seul, sont impairs. Pour ancrer ce nouveau vocabulaire, pair et impair, nous pouvons inviter l'enfant à identifier les nombres pairs et impairs. Nous demandons, est-ce que 7 est pair ou impair ? Et 8, est-ce pair ou impair ? Puis nous proposons à l'enfant de recommencer.